Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner une méthode très simple, à savoir comment trouver la tendance de votre année 2011. Eh bien, c'est très facile à faire. Il suffit le 1er janvier 2011 de noter en premier vos rêves et d'en faire une synthèse en une simple phrase. Puis, vous allez noter tout au long de la journée les événements, heureux, malheureux, etc. Ainsi que votre état émotionnel, votre état physique, et enfin tout ce qui se passe en cette journée. Vous ferez la même chose pour le 2 janvier, le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 janvier. Et chaque journée correspond à la tendance du mois à venir de l'année 2011. Le 1er janvier correspond au mois de janvier 2011. Le 2 janvier correspond au mois de février, le 3 janvier au mois de mars, le 4 au mois d'avril, et ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. Le 12 janvier correspond au mois de décembre. Du moins, la tendance de votre année 2011. Je vais vous faire aussi un petit résumé au sujet du calendrier Maya. Le calendrier Maya annonce la fin des 9 inframondes en 2011. Après la période inframonde cellulaire du Big Bang, celle de l'inframonde mammifère avec les premiers animaux, puis les premiers singes, les premiers humains, les premiers langages, les premières écritures, l'ère industrielle avec l'inframonde planétaire, l'inframonde galactique avec la notion d'ovni et d'extraterrestre, et puis l'inframonde universel, le dernier, qui va débuter le 11 février 2011 pour se terminer le 28 octobre 2011. Alors pensez à noter tout ce qui vous arrive durant cette période de février à octobre 2011, en espérant que la chance, l'amitié et l'amour seront au rendez-vous de cette belle période et verra l'émergence d'une nouvelle conscience universelle basée sur le principal, l'amour.